président élu américain Donald Trump prend décision sous question de déportation. Faut qu'on garde les détails, yo comment ça y est dans moment n'a parlé là. Pas oublier Donald Trump officiellement pour prendre pouvoir, mais il était à rassembler, à arranger, à faire toute planification pour le 20 janvier, l'heure prêter serment pour le rentrer bien équipé et déjà commencer prendre décision, surtout décision qui est extrêmement importante par rapport à promesse campagne que li te fait dans moment li t'a essayé convaincre électeurs américains pour yo ka mettre le sous pouvoir. Ça qui fait nous ka remarquer comment il prend pouvoir avec vraiment une large quantité de monde qui vote si n'a comparé avec adversaire Kamala Harris. Président Donald Trump a bien pour prêter serment le 20 janvier 2025 là. C'est le ça officiellement l'APCA prend des décisions, signer des documents, sortir des décrets ou bien révoquer quelques décrets par rapport avec ça le gagner comme mission et objectif. Mais dans le moment où on a parlé là, le président élu prend une position qui est extrêmement importante dans sa gagne pour l'acte déportation. Qui ça va gagner exactement? Et de quel niveau ça a un impact sur le monde, soit qu'il vive quand il est ensemble ou bien qui t'a remé à le vivre quand tout ça. Bon montre. Bonjour, bonsoir Internet, comment vous êtes? Moi c'est Kestel Donnier. Son plaisir pour mes familles. Président élu Donald Trump, nous tous connaissons que monsieur c'est une nègre qui toujours en position dans sa gueule pour la question immigration qui strict. Liwe bagaille en façon. D'ailleurs, il a déclaré ça dernièrement. Oui, n'a pas quitté immigrant yo rentré la caille. N'a pas quitté yo vini. Mais yo supposé vini légal. Ça c'est position président républicain qui lui même croit que en aucun cas immigrant yo pas qu'à décider pour yo vini là yo vle, gens yo vle sans yo pas respecter un ensemble de principes qui établi. Mais en parlant de principes qui établi, nous connaît très bien président actuel là Joe Biden. Lui-même, il crée un ensemble de programmes sous base de la loi pour faciliter les immigrants à rentrer quand ils sont ensemble, réaliser leurs rêves et aider l'économie américaine. Parce que les immigrants ont contribué en pile dans l'avancement de leur pays, surtout leur mécanisme qui mettait en place pour les immigrants à travailler. Parce que depuis qu'ils ont travaillé, ils ont dépensé, ils ont investi, disons, ils ont fait rouler l'économie en virée. Joe Biden créé plusieurs programmes dans ce sens, ça qui facilitait aux pile immigrants vraiment rentrer aux États-Unis. Que il était vénézuélien, que il était cubain, que il était américain ou bien n'importe l'autre nation, programme ça que vous connaissez, par exemple, il y a un programme Parole, ça dans pile dans nous les programmes Biden, là pour ton bon sponsor qui lui-même appliqué pour vous et puis il y aurait le ou joignon autorisation de voyage ou rentrer aux États-Unis, une autorisation qui permet de rentrer aux États-Unis et vivre pendant 2 ans légalement. L'autre programme que Joe Biden crée, c'est le programme CBP One, côté régulariser les questions de monde qui rentre sous frontière, là, permettre de prendre un rendez-vous et puis présenter dans une date pour yo commander autorisation pour yo rentrer aux États-Unis, le ça yo lagé moun yo sous condition moun sa yo même qui supposé à le présenter devant un juge pour expliquer comment et pour qui ça juge là doit quitter yo aux États-Unis pour yo pas déporter yo. Processus ça yo gouvernement Biden dit c'est des processus qui légal qui fait sous base la loi. Mais par contre, gouvernement Donald Trump lui-même lui dit processus ça yo d'après lui pas légal et lui pas d'accord pour yo continuer, il préférer révoquer ou bien créer de l'autre programme. Qui t'aime rappeler? C'est toujours qu'on s'allie en matière de politique aux États-Unis. Question migratoire est toujours au centre de toute discussion à chaque fois qu'il y a élection. Démocrates eux même ont leur façon et républicains ont leur façon. Donc du coup, nous venons trouver nous nos positions surtout immigrants côté nous obligés à courir monter courir descendre parce que pendant ça dit nous OK, l'autre la vie ne dit pas OK. Donc on la go qu'a fait. Et tout le monde dit qu'il y a frappé sous base de la loi. Nous avons nous-mêmes nous avons une confusion parce que si le président a accès à un document fait sous base de la loi, et que l'autre président qui vient qui dit qu'il va révoquer sous base de la loi, et c'est là que nous comprenons que le système immigration américain est vraiment, vraiment complexe. Il m'a dit pile en pile bagaille pour réussir à comprendre. C'est ça qui fait tout. Il y a pile de monde qui a déporté, et puis par la suite,
il prend un avocat ou bien famille prend un avocat, il fait retourner aux États-Unis parce que il remarque déportation, il était mal faite. Tandis que mon cap déporté, il dit au fait sous base la loi. À la côté la loi compliqué pas. De toute façon, ça qui a passé journée aujourd'hui à là, il m'a dit en pile maîtrise, en pile patience et en pile recherche pour mon essayer comprendre qui ça va le faire. Mais tout ça qui a joué dépend en pile de décision que le gouvernement va le prendre pour voir et même il va le gagner pour le prendre. Et c'est ça qui fait décision ça ou encore position ça que le président Donald Trump prend. Il est extrêmement important pour me souligner le pour et venir me dire qui ça lie exactement. Président élu Donald Trump partageait un poste que un citoyen fait. Attendez. Citoyen ça qui relait John Fitton, monsieur c'est président d'une structure qui porte le nom Judicial Watch. Selon rapport, yon ti fouye, j'ai gardé un petit enquête que yon fait. Yon dit que prochaine administration ça paraît, attendez oui, pour mettre l'armée dans la rue pour qu'al chercher immigrant. Yon. On va l'expliquer qui ça veut dire. Pour le président mettre l'armée dans la rue, il est supposé déclarer état d'urgence. Mais pour le déclarer état d'urgence, il est supposé montrer vraiment que il y a une urgence. Le ça, il va l'écrire un ensemble de rapports pour montrer que la présence immigrants vraiment représente un danger pour la population. Et c'est là qu'on y a, il va jouer une opportunité à l'occasion pour mettre l'armée dans la rue. Mais pour qui ça mettre l'armée dans la rue si toutefois il y a la police qui t'a là pour arrêter les immigrants? Et bien c'est là la réponse à extrêmement importante pour comprendre. Le fait que grand ensemble de states qui ont même qui dit à protéger les immigrants, grand ensemble de villes qui dit à protéger les immigrants, ça veut dire pas quitter la police, arrêter les immigrants. Parce que les policiers qui sont dans cette state là ou bien dans la ville là, les policiers sous côte. Ville là, tu comptes tête là, policier pour quoi pas qu'à prendre des décisions. Mais l'armée lui-même qui a débarqué sorti au niveau fédéral pour venir remplir une mission bien spéciale. Mais qu'on y a mission ça encore l'œil débarqué avec l'armée pour venir remplir de des bien oui. Qu'on y a eu pas besoin un ensemble de prison pour qu'à mettre immigrants ça en attendant que yo déporté yo parce que pas qu'à n'importe qui prend yo et puis déporté. Faut yo mettre yo dans en prison pour que des juges qui par qui suivent dossier yo après ça pour qu'à déporté yo. Et c'est la situation qui paraît grave là. Pour comprendre bien qui ça gagne dans dossier ça, va faire qu'on saute dedans. Mais pour comprendre bien, un ensemble de entreprises privées qui yo même t'es tellement t'es content pour Donald Trump bon parce que yo même yo gagne un grand ensemble de terres. À tout matériel qu'il a, à prison pour yon construire. Entreprise privée, c'est yon responsable prison ça parce que l'État n'a pas d'infrastructure pour que tout immigrant ça yon dans prison. Pas de possibilité ça. Pour yon obligé de payer un ensemble d'entreprises privées pour yon même yon gérer prisonniers ça yon en attendant. Comme étant donné, ce n'est pas des prisonniers qui danger vraiment, c'est des prisonniers simples. Yon pas de problème pour yon quitter yon nommé une série de entreprises privées qui pral servi. De immigrants ça pour faire capital pour faire comme parce que vous recevoir comme en fonction de quantité quantité prisonniers qui viennent joindre pour comprendre bien entreprise ça même intérêt c'est joindre plus prisonniers parce que c'est plus business qui a marché ou même vous venez représenter l'argent pour yo et c'est ça qui fait entreprise ça a fait pile lobby en pile démarche pour président Donald Trump qui a mis politique là en application parce que yo pral fait l'argent avec immigrants. Dans le cas ça, ou que doit ouais ou même là, yo arrêté ou fait 8 mois en prison, 1 an en prison, pratiquement détruit la vie ou pas vrai. Pendant toute période ça et puis ou ka remarqué après un nombre de temps, quand on obligé prendre un avocat ou pral payer paquet de cob ou bien femme ou pral payer pour qu'on y a là avocat ça après un 7 8 mois, yo doit décider que ou pas de faire mal, y a pour la guerre. Donc tu fait 7 mois en prison, 8 mois en prison et ça pidule, c'est le gagner avion qui pour aller soit en Haïti ou bien dans n'importe pays quand on sorti en fonction de nationalité, ayo tout metto dans un avion en secret, y a lago dans pays quand on t'est sorti. Ça m'a dit là, c'est des situations qui vivent en pile. Des gens que vous mettez dans prison, vous prenez sous frontière, là, vous mettez dans prison. Pendant que vous avez un avocat, vous avez un pour passer devant le juge, vous voyez en Haïti sans avocat par au courant. Et c'est là la situation qui est vraiment dangereuse. Côté on nous supposé vraiment suivre comment vous allez aller, qui ça a fait avant de prendre des décisions pour ne pas quitter. C'est vous qui vous mettez dans prison ou bien déporté. Préférez c'est vous-même qui font, vous comprenez, vous
avant situation ça arrive parce que les déportés ou les ça là li beaucoup plus grave ou pas obligé font paquet temps avant qu'a gagne accès à territoire encore et connaît qui impact ça qu'a gagne sur. Imaginons un bonjour ou abdormi la caillou son pas connaît et puis un soldat débarqué il arrête ou yo metto en prison pour pas connaître pour combien de temps là ou qu'a fait 3 mois 4 mois 5 mois avant yo la guerre. Donc c'est des situations qui tristes mais qui peut-être ka vini nan yon titan ki pa trop long surtout pour immigrants qui totalement illégal. Premièrement, pour comprendre, décision c'est qui ça? C'est mettre l'armée, déclarer état d'urgence pour le cas déployer l'armée dans state yo pour ka arrêter immigrant yo et puis construire nouveau prison à travers entreprise privée pour ka mettre immigrant sa yo avant déportation parce que yo pa ka nèg prend un immigrant pour yo déporter sans pas passer devant juge. Malgré ça, ça va coûter l'État un paquet de cob, mais c'est sûr que vous pouvez le faire pour Donald Trump qui a montré tout le monde qui a voté lui que il respectait la promesse électorale, il respectait tout ça qu'il a dit dans la campagne. Et c'est là, nous ne savons pas qui groupe monde l'a attaqué en vain, nous ne savons pas qui bon l'a attaqué en vain, mais nous sommes sûrs et certains, dans cette tête qui a une résistance, il même la prend plus de temps pour arriver là-dedans parce que ça a demandé un ensemble de cadres légaux qui sont complexes. Mais cette tête qui n'a pas une résistance, c'est sûr que il a commencé en vain avec la question de déportation. Il est triste, il dit, mais son réalité, précaution, pas capon. Et c'est ça qu'a dit, c'est ça qu'a parlé moi-même, m'a veillé toutes ces actualisations pour me garder comment ça y est, pour qu'on commence pour arranger Pio sans pas faire qu'on saute parce que si qu'on saute, ou pas connaître comment vous courir, ou pas connaître comment vous arranger les affaires. Mettez calme, tranquille, suivre et puis analyser. Par la suite, décider. Goûter crémasse Robotop là, en vérité, me tombe dame. Hey, et comme si je ne pouvais pas vivre sans crémasse là. Regardez. Tapez www.robotop.com pour acheter crémasse pour là. Et ça, belle là, l'achetez un gros bouteille ou après ce qu'on a un petit bouteille dans sa verre mais gratis. Utilisez le code promo KESO pour qu'ajoute 10% rabais sous bouteille ou acheter. En vérité, moi-même goûter, je tombe d'amour.